Et salut tout le monde, c'est Allo48 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de... Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Quoi? Et il est où? Il est où? Le Il est là. serveur. Et bonjour. Donc Qui on se vient de retrouve pour m'envoyer? une nouvelle vidéo sur le serveur Feed de The Cornichon. Feed de Cornichon. Alors qu'est-ce que c'est, Feed de Feed de Cornichon? cornichon. Explique-nous ce Je que sais pas. c'est. En fait, le but c'est de planter un jardin avec des cornichons. Et celui qui en a le plus à la fin, ben, il a gagné. Voilà, donc Non, je nous mentis. on est déjà pas mal parti dans notre équipe, là, on est déjà à 45 cornichons. Attends, viens pas là. Bah si, j'y suis. Feed de cornichon. Ah bah mince, il n'y a plus de feed de cornichon sur l'écran. Oui, Feed je de te jure, je le regrette. cornichon, il y en a partout. Bon alors, Feed the Cornichon en fait c'est une série sur un serveur dédié, on s'en fout mais c'est pas grave, on le dit quand même. Dont le but, si vous connaissez pas, c'est avec un mode pack, donc un mode pack que j'ai fait. Hein. Donc voilà, il y a 40 pages d'items là. Et voilà, donc on a 32 des... s'il te plaît. Hein? Moi j'en ai 40. Une. Et ben moi Non, j'en c'est ai des boss 40. pour un coffre ou un truc dans le genre. Ouais, bon, bah moi j'en ai 40. Ouais, bon, bref. Ouais, et donc il rajoute des items principalement pour faire des... automatiser nos trucs là et... permet de faire plein de choses en fait. Donc, sur le thème industriel principalement. Mais pas que, parce que là, par exemple, si je prends ça, voilà. Ça, c'est un fusil, mais il est pas très moderne. Donc, il n'y a pas que des... Là, on peut recharger, on peut tirer à travers la vitre. Voilà, je t'ai tiré dessus à Bonjour. travers la vitre. Bonjour. Bon, tu peux venir dehors, j'ai modifié le truc. Voilà, bon, alors là, y en Ah, a un autre, là, c'est bonjour. qui lui? Sors-le. Bonjour, il y en a un qui s'est invité à la fête, là. Ah, c'est moi. Bon, alors ici, on est au Nexus, donc il n'est pas fini encore. Au Nexus, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura tout simplement tous les books vers tous les différents mondes. Est-ce que tu veux que je te prête mon jetpack pour leur montrer une vue globale? Tu veux, bah moi Tiens, j'en ai un le tien aussi hein, là, de là. jetpack, Ouais, mais le mien est mieux. mais bon, on en a rien à faire. Tiens, hop. Non, c'est bon, je suis déjà parti. Donc voilà, le Nexus qui n'est pas fini, le toit en construction. Suis Quand très tu bien peux pour m'envoyer. pouvoir voler. Ouais, ça, tu te fais une anneau, mais t'as pas encore un jetpack, quoi. Bon, alors on va aller à notre base, enfin notre ancienne base. Pour montrer les anciens books. Moi je viens à pied. Donc voilà, ici c'est l'ancien Nexus en quelque sorte, c'est là où il y a tous les books. Et on Pardon, les moi je viens. déplacera ensuite vers le Nexus que je viens de vous montrer. Ensuite, on va visiter la base de qui? Ah non, là c'est mon dancer. Bon allez, hop, on commence par ici, on va chez toi. Ah ouais, Bah, après on va chez moi. poème. T'es chez qui là? Bah je Ouais, chez suis... moi. Ouais voilà. Donc on Chez va aller moi. visiter un peu toutes les bases. Donc premier épisode on fait n'importe quoi. Hein. On se développera plus tard. Je vous montrerai à la fin ma base. Enfin la base temporaire parce que je l'ai pas encore faite. Puis voilà. Sauf que j'ai pas regardé à quelle heure on a commencé de tourner. Donc on va avoir un épisode de une demi-heure mais c'est pas grave. Et moi, tu sais quoi? Eh ben, je me tape le plafond. Boum, boum, T'es boum. où là, allô? Je suis dans le Ah oui, t'es. tunnel. Oui, mais tunnel de chez qui? De Moi, il est chez... chez moi. Ouais, voilà. Alors voilà, la petite maison de Bard Poème. Il y a déjà pas Attends, mal de j'arrive, on trucs. court. C'est bon, Avec on mon t'attend. marteau. On l'attend. Au Bah, pire. J'ai 4 stacks de scrap et bientôt un cinquième. Attends. ben, tu sais Ah, quoi? j'ai pas Moi, je arrêté vais de manger manger. une carotte. Carotte. Bravo. Ah, tu veux du bois, t'as qu'à venir te servir, hein, que j'ai déjà fait le plein. Bonjour, au revoir. Quoi? J'ai bientôt encore un diamond Et chest. Ah bon. faudrait peut-être leur montrer notre stock de cornichons, non? De quoi? De cornichons. Ah ouais, viens chez moi si tu veux. Bon, en Mais fait, il je n'y a suis pas pas de riche. cornichons parce que... Attends, je vais chercher. Si ça se trouve, il y en a, on le sait même pas. Moi, y a Cornichons. du pain. Moi, y a du pain. Quoi? Ouais, On bah trouve oui, des pour faire un cornichons dans le jambon jeu. beurre cornichon. Eh, t'as oublié un truc? T'as oublié un Oui. truc, Allo Zéro? J'ai C'est oublié pas quoi? moi.
Ah oui, j'ai pas encore été visité là. Un conseil, prends une épée en main. Tiens, le creeper. Creeper. Ouais, bon, je vous laisse faire le ménage, hein. Moi je remonte. On Donc pour l'instant, il n'y a rien. Oui, mais Et vous allez voir. laissez passer. Vous allez voir qu'avec ce modpack, on va faire beaucoup plus de choses que dans le Minecraft normal. Là, déjà, on a un panneau solaire, là. Ouais, Deux j'ai 15 panneaux solaires. T'en as deux. Moi, j'en ai 8. Moi j'en ai 15. Moi je Bah, moi, j'en ai 8. Et ben, moi j'en ai 15. Un 9. Bon, on passe à la maison de qui maintenant, la base de qui? Chez moi. Ok, bon. Maintenant, on va aller à la base de Master. Passe par le chemin. Non, j'aime Et bien faire du freestyle. nous y amène. Tu aurais dû garder Nausée dans ton monde, ça aurait été marrant. Non, je voulais pas voir nausée. Mais si! Attends, faut que je recharge la ferme à bois là. Ah ouais, je vais montrer. Parce que moi Oh. j'allais pour aller au Moi, bout. je viens en jetpack, hein, j'en ai marre. Allô, T'es où, toi? je suis en bas. Ah oui. En fait, tu vas plus vite que moi. Mais tu sais, j'ai pris le livre. J'ai pris mon livre. Ah oui. C'est pour ça. Tu verras l'ordinateur, je. Par Y'a contre, marqué. ça chunk pas, Mais je voilà, c'est bon. vois. Donc ici, c'est la base de Master, donc de lui Oula, là. surprise. Regarde, mais t'as pas lu. De quoi? Bah, faut lire. On va voilà. À tous tes Salut. auditeurs. Il manque une lettre. Enfin, au moins. Après, j'ai pas tout regardé. Bon, c'est pas grave. Il a caché sa truc à amateur pour moi. Non, c'était pour faire une limite. Donc là. Par contre, y'a quoi là-haut? Il a un recycler avec du Mais j'ai rien. scrap. Moi aussi. Ah, c'est beau. C'est mucho bobo. Et une massaricator. Donc, pour faire une matière qu'on verra plus tard, je vous présenterai ça quand je serai en Viens, faut voir solo. tous mes solar panels histoire que je te foute la Et deck. regarde, moi j'en ai. Tu Tu veux vois? que. Tu veux leur montrer? Je Avec mon viens. deuxième MFSU. Su. Tu veux leur montrer la matière? De Regarde, quoi? elle est là. Ah, la humateur. Voilà, c'est ça. Je vous en parlerai plus tard. Je vais vous présenter un peu tout ce qu'il y a dans le mode. Dans le mode pack. Oh, t'es gentil de quoi? Non, je rigole, je vais quand même pas recharger. Et en fait, Non. c'est les seuls à pas être buggés, comme texture, Ouais. les solars là. Les Advanced, ouais. Ouais, parce qu'on a toutes les textures qui sont buggées, mais bon, c'est pas trop gênant, donc ça En fait, il passe. tourne. On dirait qu'il tourne tout seul. Ça fait du. Là, tu fais du 8 EU par tick, ça. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Moi j'en ai 14. 15. Ouais, non, Tu 15. voles pas mon scrap toi là-bas? Non, je vole pas du scrap. Bon, bah, on a Je fait le vole tour. Ah du. non, faut qu'on aille visiter en bas. Ah oui, il faut qu'on aille visiter Voilà. en bas. Mais oui. Mais non, mais c'est nul. Enlève la table de craft, on peut plus sauter. Donc, Mais je vais sauter moi. ici on a les portails qui vont vers je sais pas. Alors, Les c'est mes mondes. trois mondes. C'est mes trois mondes. Il y Vers a ces trois Capsar mondes. et l'autre. Ici on a le coffre-fort qui est fermé. Bon, attends, je te l'ouvre. Là il a et Il est au-dessus on n'a ouvert là, peut-être pas coffre vu fort. mais il y a des Y'a pas. différentes fermes. Une à blé. Donc avec la machine là on peut faire Et une à bois. ouais. On peut faire des fermes à blé et à bois grâce à des cartes personnalisées. Et Sûr. puis là, il a la salle des coffres. Et là, bah, du coup, l'arrivée de tout ce que je viens de dire, là, de ces fermes. Et Mais oui, là, bah, mais il y a c'est ces juste pour différentes récupérer. machines. Avec, voilà, du stockage pour Hey, tu veux un l'énergie. nouveau coffre? Une MFSU pour que je recharge. Bon, bah, on a fait le tour. On va aller chez moi. C'est quoi? C'est un coffre qui amène directement des objets au recycleur. Ah, donc je peux mettre ce que je veux. Ouais, tout ce que tu veux jeter, tu le mets dedans. Voilà. Bon bah Et moi ça je vais va chez maintenant. moi. Ok, bah écoute, je vais te rejoindre. Ouais. Il faut que je passe par mon Densor et tout. Bon, il n'y a pas que nous trois sur le serveur, mais les autres, il Ouais, mais faudra. Ils sont pas là pour le c'est moment. écrit sur.
Ouais, je sais. C'était écrit sur le tableau. Ouais. Mais je le dis. Chez toi, Donc voilà ma base toute petite. T'es dans ton Densor là? Ouais, enfin dans ouais dans mon Densor. Donc un Densor, qu'est-ce que c'est? Parce que vous savez peut-être pas ce que c'est. Donc on va peut-être utiliser le terme de Deo. Donc Deo, c'est Densor, c'est pareil. C'est Ah, tu ça veut m'as dire que demandé c'est un là. monde où il y a 2 fois plus de minerais par emplacement. Enfin par on va dire par mètre carré, mais bon, il n'y a pas vraiment de mètre Qu'est-ce que tu carré. fais le zéro? De quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bah je regarde mes feux. Surtout que toi tu te gênes pas, tu viens remplir ton truc. C'est bizarre, j'ai vu passer un lap pack. Je sais pas, peut-être 80. Ouais. Bon, bah ce qu'on va faire, c'est que on va faire une ellipse et on se retrouve dans quelques minutes en solo et puis on continue l'épisode. On fait comme ça. Ok, on te laisse. Ouais. Ouais. Salut, salut. Allez, ciao, ciao. À toutes. Et voilà, donc on se retrouve en solo. J'ai quitté le Mumble. Ils sont encore là. Ils sont en train de faire la fête dans ma base. Donc on va finir le tour de la base parce qu'en fait on n'a pas tout vu. Là c'est juste la base temporaire. C'est en attendant que je fasse ma base. Mais je vous attendais pour faire ma base. Mais je me suis quand même un peu développé pour pas faire les bases. Hein. On va pas s'amuser à faire la base qu'on peut même faire en vanilla. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est des trous, gros trous partout. En fait, c'est avec une quarry. Donc une quarry, c'est une machine qui va creuser jusqu'au fond de la map. On va récolter des minerais et qui sont stockés dans des coffres. Donc là, la quarry, elle n'est pas placée, mais je vous montrerai plus tard comment on la place, enfin tout. Vous verrez. Et donc là, je vois qu'on a du diamant sous forme de Nether diamant. Donc le Nether diamant, ça permet d'avoir je sais plus 4 fois. Moi, je vais vous montrer. Je vais aller mettre ça dans une machine qui va me permettre de les dupliquer en fait. Parce que les Nether diamants permettent d'avoir plus d'items avec un bloc que un diamant normal. Donc voilà, hop, on place et ça en fait 4. Donc 4 par bloc, c'est plutôt pas mal. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Oui. Donc ça fait, je sais pas combien de temps qu'ils me demandent de faire l'end. Donc voilà, vous voyez que j'ai plutôt pas mal de minerais. Et il y en a encore dans des barrels. Donc les barrels, c'est ça. Hein. Il suffit de cliquer dessus. Voilà, ça nous en donne. On fait un clic droit et on peut les replacer. En plus, c'est pratique comme ça. On sait exactement le nombre d'items qu'on a. Donc voilà. Et avec le nom de l'item aussi qui est marqué. Donc 477 de charbon. Ensuite, on a une petite jukebox là. Sauf que je sais pas où est le CD. Plus de CD. Bon, le CD a disparu. Je sais pas où il est. Et voilà. Donc on va peut-être présenter toutes les machines. Donc tout ça, c'est des machines en fait. Le générateur pour créer de l'énergie. Le Rotary Macerator, ce que je viens d'utiliser pour dupliquer les items. Ça, c'est un four, hein, sauf qu'il est électrique et il va beaucoup plus vite que celui de base. Un extracteur, c'est pour par exemple faire du rubber. Du rubber, c'est comme du caoutchouc. Ça va permettre d'isoler les câbles. Donc on met. Je vais chercher ce qu'il faut mettre dedans. Voilà, avec la petite machine que j'ai dans la main, on va pouvoir. Voilà, faire ça et récolter de la sticky résine, ça s'appelle, et le mettre dans l'extracteur, et ça va nous permettre d'avoir du rubber. Le rubber qui va isoler, comme je l'ai dit, nos câbles, et les câbles isolés, ça va beaucoup nous servir car déjà toutes les machines là utilisent du rubber, et quasiment toutes les machines ajoutées par les mods utilisent le rubber. Donc là, on a un petit stock d'énergie qui monte en ce moment parce que je n'utilise pas beaucoup d'énergie. J'ai pas la machine pour calculer, mais il y a une machine pour. Une machine, je vais la chercher, elle est là. Allez, alors. Voilà.
Et vous allez voir dans le chat, voilà, ça s'affiche. Donc là, je suis en train de produire 8 œufs par tick. Les ticks, en fait, c'est des unités de temps dans Minecraft. Je crois qu'il y a 4 ticks par seconde, mais je suis pas sûr du tout. C'est peut-être l'inverse. Il y a peut-être, je sais plus du tout. Ça. Ça utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour produire, comme on l'a vu tout à l'heure, la humateur. La humateur, c'est ça. Et vous allez voir que en cliquant sur un bouton, j'aurai tous les crafts. Et ça va permettre de faire, voilà, tous les crafts là. Mais encore d'autres. Regardez, tout ça. En fait, tous les blocs du jeu, on peut les avoir avec de la humateur. Donc c'est plutôt pas mal. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de faire de l'iridium, je sais plus comment ça s'appelle, iridium. Iridium, voilà. De l'iridium et l'iridium qui va nous permettre de faire des panneaux solaires qui produisent plus d'électricité que ceux que j'ai sur le toit. D'ailleurs, je vais vous montrer les panneaux solaires que j'ai sur le toit. Ouais, c'est ça, les panneaux solaires. Donc là, j'en ai 8. Et chacun produit un EU par tick, donc ça fait 8 EU par tick. Ensuite, les machines là, elles utilisent de l'énergie. Là, voilà, elle m'a produit le rubber. Et là, pour faire le rubber, elle m'a utilisé de l'énergie. Voilà, on va ranger tout ça. Donc, vous voyez, il y a pas mal de. Il y a pas mal d'items, comme dans la série Spacecraft. C'est le même principe, sauf que là, c'est pas du tout les mêmes modes en fait. Il y a juste un mode en commun, je crois. C'est celui-ci, c'est celui de Buildcraft. Mais sinon, il y en a beaucoup d'autres. Là-dessus, il y a 68 modes, alors que sur l'autre, il y en avait. Je crois qu'il n'y en a que 16 sur l'autre. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Donc on va bien s'amuser. Si vous connaissez Feed the Patrick, ben en fait c'est exactement le même principe. On va pouvoir aller chez un, les autres et se troller. Moi j'ai déjà eu un troll, il m'avait mis une alarme. Si je l'ai encore, je vous la montre. Hop, on l'alimente et vous allez voir, ça fait un bruit infernal. Donc il m'avait mis ça dans ma base. On va mettre ça, hop, voilà. Et voilà, ça fait un bruit d'alarme. Ils m'ont caché ça dans la base, je savais plus, je sais pas où les trouver. Et je crois qu'on peut changer le son. Voilà, là j'ai changé le son. Voilà, c'est particulièrement horrible. Bon, là encore, il est pas fort, mais si on le met vraiment fort et qu'on en met une bonne dizaine, bah, je peux vous dire que ça fait mal aux oreilles. Et en fait, à la base, ça sert à contrôler les réacteurs nucléaires, faire une alarme si jamais le réacteur nucléaire chauffe trop. Le réacteur nucléaire qu'on fera certainement plus tard, même s'il n'est pas trop dur à faire. Mais on le fera dans un épisode, je le ferai avec vous. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de préparer tout ça. Tout ça, ça vient d'un mode qui s'appelle Applied Energetics, qui va nous permettre de faire une salle des coffres, mais bien plus simple que celle que vous avez vue dans la base de master. Celle-là, elle va marcher en fait par système informatique. Donc le petit item là, en fait, c'est une sorte de disquette qui va contenir tous les blocs qu'on va mettre dedans. Donc vous voyez que c'est compact. Surtout que là, on peut mettre, je crois, 6 ou 8 disquettes comme ça dans un bloc comme ça et les relier à un réseau. Et le réseau, on a un terminal et il suffit de cliquer dessus et on a tous les blocs qui sont répertoriés dedans et de cliquer dessus et on les a. Donc c'est vraiment pratique. En plus, on peut faire des crafts automatiques. Donc vous verrez ça quand je le ferai. Et là, je vais aller vous montrer l'emplacement de ma base et je vais faire une base dans ce monde, mais je vous attendais pour vous montrer le terrain avant que je fasse la base. Je ferai peut-être la base en vidéo, je ne sais pas. Là, je vois du quartz qui vient justement du mode dont je viens de vous parler, Applied Energetics.
Donc j'en profite pour récolter parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. J'ai de la terre pour embaucher un petit coup. Voilà. Et on va essayer de retrouver l'emplacement de la future base. En attendant, j'ai mangé des carottes. Vous verrez qu'on a plein de carottes. Et on va faire une ferme à carottes aussi. Ah oui, aussi, pourquoi la série va s'appeler Feed the Cornichon? Je sais pas. C'est tout, ça va s'appeler Feed the Cornichon, même s'il n'y a pas de cornichon. Ça peut paraître bizarre. Et là, je vais utiliser mon jetpack pour mieux voir, pour que je retrouve à peu près l'emplacement. Parce que je sais plus du tout où il est, en fait. Mais je crois que j'avais fait un book. Ah oui, aussi les books, je sais pas si je vous ai expliqué. Mais les books vous permettent de vous déplacer plus rapidement. Il suffit que je clique dessus et je serai téléporté vers un autre monde ou dans le même monde, mais un autre endroit. Tout ça en utilisant des books que l'on. En fait, je prends un book normal, je le mets dans la table de craft et ça devient un linking book et qui peut téléporter exactement aux coordonnées où on l'a fait en fait. Par contre, là ça m'arrange pas, je retrouve plus l'endroit où je voulais faire la base. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à la maison en passant par le Nexus. Je vais rentrer à la maison. Voilà. Et je vais aller chercher le book pour y aller directement. On va pas s'embêter. Ça sera bien plus facile. Hop. Il est où? Il est là. Alors pourquoi il s'appelle Halo 0? Parce que sur Minecraft, mon pseudo est Halo 0. Comme on peut le voir, voilà, les personnes connectées. Parce que Halo 48 n'était pas disponible. Donc voilà, je compte faire ma base ici. Donc on verra ça plus tard, on va pas s'amuser à faire ça tout de suite, surtout que là je vais regarder à combien de temps on est, mais ça doit être pas mal déjà. Oui, 22 minutes, c'est pas mal pour un épisode. Voilà, donc je vous présente juste à peu près ce qu'on va faire dans cette série, j'espère que ça va vous plaire. Un peu le même style que Spacecraft, mais pas sur le même thème en fait. Et puis là on est en multi, on sera plusieurs sur le serveur, donc ce sera vraiment intéressant. Et puis comme je l'ai dit, on sera pas que tous les trois, il y a encore on sera 6 hein, normalement. Et voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo ici. On se retrouve dans un prochain épisode. J'aurai peut-être construit la base ou pas, je ne sais pas. Ou bien je vais faire un time-lapse. Donc je sais pas encore, on verra. Alors on se laisse là. Et on se retrouve dans le deuxième épisode de Feed the Cornichon. Donc FTC si vous préférez. C'est plus court, enfin on verra. Je voulais juste que vous sachiez que Feed the Cornichon, on dit plus souvent FTC, c'est plus rapide. Bon, voilà. C'est vraiment inutile ce que je vous dis, mais je vous le dis. Alors on se retrouve dans le deuxième épisode pour la troisième fois. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à mettre un j'aime, à mettre en favori si vous avez aimé ou adoré. Et voilà, alors salut, salut!